Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce décryptage du plan de relance de l'apprentissage organisé par le club. Alors, on n'est pas forcément beaucoup connectés ce matin. On a eu pas mal de demandes effectivement pour le replay. C'était trop tôt, 9h30 peut-être. On aurait dû attendre un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, on est content d'accueillir Julia Lebailly et Richard Prade. Alors, Julia Lebailly, elle est responsable pédagogique à l'ISD Flaubert. Nous, on a un partenariat de longue date avec la licence professionnelle chargée de communication au club. Et on travaille assez régulièrement avec Julia. Et Richard Pratt, qui est directeur formation professionnelle et des compétences à la CCI Rouen Métropole et également directeur de l'IFA Marcel Sauvage. Donc, ce matin, c'est à la demande d'un adhérent qui est là parmi nous. C'est Franck Dubois de la Maison Bleue et du Perroquet Bleu qui nous a fait cette demande, qui a vu passer début juin les mesures du gouvernement sur ce plan de relance de l'apprentissage, parce que effectivement, en septembre, juste pour vous ramener un peu d'éléments de contexte, en septembre 2018, il y a une réforme de l'apprentissage qui est lancée, qui a pour ambition de développer massivement l'apprentissage en France. Alors, on peut dire que ça a plutôt pas mal fonctionné, puisqu'il y a en 2019, il y avait 491 000 apprentis en France, et ce qui donnait quand même un delta positif de 16%. Ils étaient 16% de plus qu'en 2018. Alors, la Covid passe par là, la crise et le contexte économique difficile fait dire que peut-être ça va être un petit peu plus compliqué pour les années à venir. Et pour continuer d'encourager et d'inciter les entreprises à recruter des salariés en contrat d'apprentissage, le gouvernement décide un plan de relance et fait des annonces début juin. Et je vais laisser Monsieur Prade nous dire un peu quelles annonces ont été faites. Est-ce que ça présage? Je vous laisse la parole. Ah, très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si je fais une lecture donc des annonces du gouvernement, c'est vrai que nous avons un gouvernement qui est très attaché donc au développement de l'apprentissage. Vous l'avez souligné tout à l'heure, avec donc près de 500 000 apprentis en 2019, avec une hausse significative de plus de 16% par rapport à 2018. Tout cela finalement a des fondements sur l'intérêt qu'offre et les valeurs ajoutées qu'offre l'apprentissage, à la fois donc en termes d'insertion professionnelle, une capacité aussi à pouvoir former donc sur tous les niveaux de qualification des apprenants, des apprentis, et ainsi de permettre à ceux qui, peut-être dans des contextes sociaux plus difficiles, eh bien de pouvoir percevoir une rémunération, de pouvoir poursuivre leur professionnalisation jusqu'au niveau le plus élevé, jusqu'à bac plus 5. Donc, on couvre du premier niveau de qualification CAP au bac plus 5, ce qui est un éventail extrêmement large permettant à tous eh bien, de trouver une solution, en tout cas de professionnalisation. Alors là, pour ce qui est annoncé par le gouvernement, par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, la première des mesures, eh bien, c'est une aide qui sera versée aux entreprises en fonction de l'âge de l'apprenti. Pour les apprentis mineurs, l'aide s'élèvera donc à 5 000 euros. Et pour les apprentis majeurs, donc 18 ans et plus, l'aide versée à l'entreprise sera de 8 000 euros. On parle là, eh bien, d'une aide unique qui existait précédemment, mais qui était limitée donc aux formations jusqu'à niveau bac. Au-delà, donc pour les post-bac, il n'y avait pas d'aide consentie aux entreprises. Ce qui change déjà, c'est que là, l'aide, eh bien donc bénéficiera aux entreprises qui embauchent en contrat d'apprentissage des apprentis sur les formations jusqu'à bac plus 3. Ce qui change aussi, c'est le montant de cette aide unique, puisqu'elle était de 4 125 euros précédemment pour la première année. Là, donc, elle passe à 5 000 euros pour les mineurs et 8 000 pour les apprentis majeurs. Donc, on voit là aussi qu'il y a une vraie volonté, eh bien, à accompagner les entreprises, à inciter les entreprises à recruter donc des apprentis. Et aussi, la raison, c'est que l'apprentissage est aussi pour l'entreprise un bon moyen de préparer les compétences de demain. Permettre ainsi à l'entreprise d'être dans une approche GPEC, donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
de travailler aussi au regard d'une pyramide des âges et de préparer finalement au renouvellement des compétences, à l'amplification aussi des compétences d'une entreprise. Donc, c'est un levier pour le secteur économique qui est important. Et c'est un levier, on l'a compris aussi, important sur le volet social. Donc voilà pour ce qui est donc de cette première modalité, donc une aide unique de 5 000 ou de 8 000 euros pour les entreprises. Alors attention, cette aide sera versée sur une période qui est comprise entre le 1er juillet 2020, donc là dans quelques jours. On est combien ? Ce sera demain, je crois, le 1er juillet, c'est ça ? C'est ça. Ah, c'est demain, ouais, c'est ça. Jusqu'au 28 février 2021. Alors, pourquoi une période, pourquoi cette période est ainsi construite? Elle fait le lien aussi avec la deuxième modalité de ce plan de relance du gouvernement, qui donne la possibilité donc à un candidat qui souhaite devenir apprenant, alternant, de pouvoir commencer sa formation sans même avoir signé un contrat d'apprentissage. La loi, vous y faisiez référence tout à l'heure, la loi du 5 septembre 2018, pour l'avenir professionnel, prévoyait déjà une modalité, mais qui était limitée à 3 mois. On a pu voir pendant la période de confinement et au regard de l'ordonnance du 1er avril que le gouvernement a souhaité étendre cette période pour la faire passer de 3 à 6 mois. Sur la période qui était en cours, donc c'était courant avril. Cette modalité a été donc reconduite pour la rentrée 2020, et donc on retrouve bien cette période de 6 mois, et donc 6 mois si l'on compte de septembre, et si on va 6 mois après, eh bien on arrive à fin février. Vous comprenez bien qu'il y a aussi une corrélation à faire entre une période de 6 mois pour que un candidat puisse débuter sa formation sans même avoir de contrat, avec l'aide accordée aux entreprises, hein, cette aide unique de 5 000 à 8 000 euros, qui elle aussi est comprise sur cette période, donc du 1er juillet au 28 février. Toutes les entreprises ont droit à cette aide. Il y a pour autant donc un point de vigilance pour les entreprises qui comptent 250 salariés et plus, c'est qu'elles devront donc afficher un taux d'alternants au sein de leurs effectifs d'au moins 5%, et elles devront donc le justifier pour 2021. Hein, ça, c'est important. Donc, c'est sans condition jusqu'à 249 salariés et au-delà. Eh bien, elles devront donc justifier d'un niveau, d'un taux d'alternants au sein de leurs effectifs d'au moins 5%. Voilà, ça, c'est une condition qui s'impose aux entreprises de 250 salariés et plus. Donc déjà, deux modalités. Aide unique pour les entreprises. Ensuite, possibilité de pouvoir, pendant 6 mois, eh bien, débuter sa formation lorsqu'on est candidat à l'apprentissage. Monsieur Pratt, je me permets de vous interrompre. Il y a une question déjà dans le chat. Vous parlez des entreprises. Là, on nous demande, est-ce que les associations y ont droit également? Alors, écoutez... je dirais a priori oui, mais je ne peux pas donc l'affirmer. Pour l'instant, nous sommes au niveau des annonces gouvernementales. Les décrets, en fait, ne sont pas encore parus. J'ai eu quelques informations sur la sortie probable de ces décrets. Eh bien, en fait, ils seront postérieurs au 1er juillet. On espère les avoir d'ici 15 jours. Mais ce sera difficile de les avoir avant. Il y a du réglage à faire au niveau donc du gouvernement et du réglage à faire au niveau du Bercy. Et peut-être avez-vous entendu donc notre ministre de l'économie et des finances qui a annoncé également que cette aide des 5 000 et 8 000 euros allait profiter également au contrat de professionnalisation. C'est une nouveauté qui date de moins de 24 heures. Mais là encore, il faut rester très prudent dans la démarche. Attendre les modalités pour que l'on sache précisément qui y aura droit. Donc, pour les associations, a priori, oui, mais attendons d'avoir les textes pour pouvoir confirmer. Je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Merci déjà pour cette réponse. Je vous laisse continuer sur le...
Non, mais après, sur les autres modalités, alors, peut-être avant d'évoquer les autres modalités, c'est vrai que finalement, ces aides de 5 000 ou 8 000 euros, qu'est-ce que ça représente? J'ai fait une simulation pour un apprenti qui a 20 ans, qui se destine à suivre une formation type Bac plus 2. Le coût pour la première année est d'environ 10 000 euros. Ça veut dire que, comme il est majeur, l'entreprise bénéficierait donc d'une aide de 8 000 euros. Le reste à charge pour l'entreprise serait donc de 2 000 euros. Donc, on voit bien qu'un reste à charge de 2 000 euros pour un an, pour une entreprise, est quand même quelque chose qui est plutôt incitatif, hein, donc, pour aider l'entreprise eh bien, donc, à accueillir un jeune, un apprenti en son sein. Le coût, parce que là aussi, il faut évoquer la suite, et la deuxième année, combien elle coûte? Elle coûte environ 13 700 euros. Donc, faisons l'addition. Si j'ai 13 000, si j'ai 2 000 en reste à charge, j'arrive à environ 15 000 euros sur 24 mois. Donc, voyez que le coût pour l'entreprise reste très, très faible, en sachant qu'un apprenti est bien sûr un salarié de l'entreprise, un alternant donc, qui évolue entre un CFA et puis l'entreprise et qui produit aussi. C'est-à-dire que il est là pour développer bien sûr des compétences, il est là pour permettre à l'entreprise eh bien, voilà, d'avoir une ressource supplémentaire, même si, il faut se l'avouer très clairement, les premiers mois, eh bien, l'apprenti est en phase d'apprentissage, c'est l'amorce de son apprentissage, il a besoin eh bien, de s'adapter à son environnement, il a besoin également eh bien, de prendre ses marques, de gagner sur et d'acquérir ses premières compétences professionnelles, pour les mettre au service de son employeur. Mais ça veut dire qu'au plus il va avancer aussi dans son parcours de formation, au plus il atteindra donc un seuil de rentabilité pour l'entreprise. Ce qu'il produira profitera à l'entreprise. Donc, il faut peut-être aussi avoir un discours qui serait de dire que l'apprenti ne représente pas qu'un coût. Un apprenti, c'est aussi eh bien, voilà, un salarié qui produit. Et ça profite et ça procure en tout cas une richesse donc, à l'entreprise. C'est important d'être aussi sur cet angle-là, parce qu'à force de parler d'apprenti et de coût, on oublie presque qu'il apporte de la richesse à l'entreprise. Donc voilà pour ce qui est donc, de ces deux modalités concernant ce plan de relance. Il y a d'autres modalités. Alors, vous savez que cette période de confinement a révélé aussi, pour certains apprenants, des difficultés à pouvoir poursuivre et continuer la formation à distance. L'ensemble des organismes de formation ont été contraints, comme vous le savez, à mettre en place eh bien, des modalités distancielles de formation. Or, il s'avère qu'une part est non négligeable d'apprentis n'était pas équipée ou mal équipée ou mal connectée. L'estimation qui est faite au plan national est d'environ 10%. Il ne fallait pas rester donc à ce constat et mettre en place là aussi des actions. C'est ce que le gouvernement a décidé puisque une aide au premier équipement est accordée aux apprentis qui peut aller donc jusqu'à 500 euros. Cette aide au premier équipement est versée par les OPCO. Donc, ces 500 euros jusqu'alors ne pouvaient pas profiter donc à l'acquisition d'outils informatiques. Il y a donc une possibilité nouvelle qui est offerte pour la rentrée, c'est de faire que ces 500 euros eh bien, puissent profiter à l'acquisition d'un parc informatique qui sera mutualisé au niveau de la structure de formation et qui sera mis à disposition des apprentis, leur permettant ainsi, sur des temps de formation à distance, de pouvoir en bénéficier. Et ainsi d'assurer une continuité de formation et d'effacer donc les difficultés liées à une fracture numérique qu'ils ont pu rencontrer. Voilà, donc ça, c'est un élément nouveau qui est important, qu'il faut apprécier. Là aussi, on n'a pas le détail des modalités, mais le décret le précisera. Mais ce qui est certain, c'est que c'est bien la structure formation qui en fera l'acquisition de ce parc informatique grâce eh bien, donc à cette aide aux premiers équipements et qui gérera le parc pour le mettre à disposition donc, de l'ensemble des apprentis. Et puis, il y a Parcoursup. Vous savez, Parcoursup, cet outil qui permet aux sortants
bac, eh bien, de pouvoir exprimer des vœux sur une suite de parcours post-bac. Et puis, il y a AffleNet. AffleNet, vous savez, c'est cet outil qui est destiné aux 133e. Et les deux outils, finalement, ont pour objet eh bien, de recueillir l'ensemble des vœux des sortants de 3e ou de baccalauréat pour une suite de parcours. L'apprentissage prend une place à part entière à présent sur ces outils d'orientation où chacun exprime leurs vœux de poursuite. Et là aussi, dans ce plan de relance, l'idée, eh bien, c'est que chaque jeune ayant formulé un vœu puisse profiter donc, eh bien, de propositions d'apprentissage, entre autres par les structures de formation, par les CFA. Donc, ça veut dire qu'en termes d'orientation, l'orientation est un vaste sujet hein, en France, on le sait tous, eh bien, cette voie qu'est l'apprentissage devient une voie à part entière, qui est proposée donc, à l'ensemble des sortants de troisième et de terminale bac. Voilà donc en synthèse hein, ce que prévoit ce plan de relance. Maintenant, je suis disposé à répondre à quelques-unes de vos questions. Oui, il y en a déjà effectivement des questions. Je vais juste laisser aussi Julia nous parler effectivement bah, des formations dont elle est responsable et qui sont concernées par ces nouvelles mesures et qu'elle nous dise bah, quelles incidences ça va avoir et comment elle a pris ces annonces. Je te laisse la parole, Julia. Merci Aurélie, bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, ces annonces sont une bonne nouvelle, c'est sûr. Nous, on a déjà vu une accélération des contrats là, qui sont en train de se concrétiser. Actuellement, pour vous donner une idée, hein, sur une promo de 30 en licence chargée de communication, on en a déjà 20 placés. Donc, ça, voilà, on arrive à ce qui se passe d'habitude sans le Covid, donc avec une année. Donc, en effet, hein, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, ces annonces ont été annoncées bah, au bon moment et sont plutôt rassurantes pour nos partenaires. Donc, sur les formations, comme vous le disiez, donc nous, on fait du supérieur, hein, donc de bac plus 3 à bac plus 5. Donc, ces aides ne fonctionnent pas sur nos bac plus 5, mais essentiellement sur des bac plus 3, ce qui est déjà très bien. Donc, on a en effet deux formations qui sont concernées. Donc, on a la licence chargée de communication en partenariat avec l'Université de Rouen, qui là, on a encore une dizaine de places, mais c'est vrai que ça j'ai bon espoir. Je pense qu'on sera complet sur ce cursus-là. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Il nous reste quelques très bons candidats. Et puis, sur l'autre formation, donc on est en partenariat avec la Normandie Web School sur le chef de projet digital avec trois options. Une option de développement, donc de développement web et mobile, une option marketing digital et une option graphisme web design. Donc, si sur ces filières vous êtes également intéressé, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi. Nous avons de bons candidats également à vous proposer. Donc, ces deux formations se font en apprentissage avec des rythmes d'alternance intéressants pour les entreprises. Notamment, nous, on fonctionne en semaine complète parce qu'on a un certain nombre d'apprentis qui vont rechercher leur employeur, c'est loin, sur la Normandie ou même au-delà de la Normandie. Donc, c'est pour cela que nous, on a des rythmes de semaine complète et pas de 2 jours, 3 jours. Donc, écoutez, ces aides sont intéressantes, hein, on le ressent déjà, et puis sont aussi rassurantes pour certains apprentis. J'ai déjà des apprentis qui m'ont interpellée, ils m'ont dit, bah, justement, si on ne trouve pas au-delà des 3 mois, est-ce qu'on peut rester ensemble ? Donc, bien évidemment, ça dépendra si les formations sont complètes ou pas. Si, par exemple, au mois de septembre, nos formations sont déjà complètes, on ne pourra pas accueillir plus d'apprentis que de places qui nous sont attribuées. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai retrouvé le sourire.
Parce que juste pour la licence pro chargée de communication, vous avez reçu près de 170 candidatures, vous en avez présélectionné 60 et sur ces 60, une trentaine vont effectivement suivre la formation et 20 sont déjà, ont déjà trouvé l'entreprise qui les accueillera. C'est ça le... C'est ça tout à fait Aurélie. Donc c'est vrai que sur la licence chargée de com, on est plutôt sur un recrutement national cette année encore avec des jeunes qui viennent de la France entière. Et plutôt voilà, des parcours intéressants. Donc, on a fait notre recrutement à distance, hein, mais un recrutement qui était de qualité. Et nos jeunes ont été ont eu des tests, notamment rédactionnels. Parce que quand on travaille en communication, Aurélie ne me dira pas le contraire, c'est une qualité qu'il faut avoir. Donc, ils ont eu voilà, des tests rédactionnels et puis des entretiens avec nos équipes pédagogique et des professionnels. Tout à fait. Super. On va prendre les questions aussi qui sont tombées précédemment. Alors, je pense que Pauline a eu une partie de sa réponse avec ce qu'a dit Julia, parce que Pauline, qui est directrice de RCF, la radio, se pose la question de prendre un journaliste en formation en alternance et elle demandait comment savoir quelle formation est concernée par cette aide. Est-ce seulement sur le critère jusqu'à Bac plus 3? Donc, a priori, effectivement, les aides ne concernent que jusqu'à la licence. C'est bien ça? C'est ça, licence ou donc dit niveau 6. Voilà, donc niveau 6, c'est l'ancien Bac plus 3, quoi, ça veut dire ça. Tout à fait. Effectivement, donc on est sur la licence, mais en fait, il faut savoir que les titres ou les diplômes donc, sont éligibles donc, à cette aide. Donc, c'est vrai qu'on fonctionne maintenant avec la nouvelle nomenclature européenne, ce que Julia évoque. Donc, un bac plus 3 aujourd'hui, eh bien, on dit que c'est un niveau 6. Voilà. Donc, et un premier niveau de qualification, quel CAP par exemple, on est sur un niveau 3. Voilà, donc, il y a une inversion en fait. Niveau 3, premier niveau de qualification. Et on peut aller jusqu'au niveau 8 hein, pour un bac plus 5. Voilà. Je voulais aussi, si vous me permettez, donc, parce que la question est posée également, savoir si une entreprise sans salarié peut recruter un apprenti. La réponse est oui. Hein, donc, c'est important de préciser, on peut être donc sans salarié au sein d'une entreprise et pour autant recruter un apprenti. Il y a quelques artisans hein, ou des entreprises unipersonnelles qui effectivement donc, sont dans ce cas-là. Je profite d'ailleurs de cela pour vous donner quelques chiffres d'une enquête, d'une consultation donc, aux entreprises, c'est un sondage Opinionway pour CCI France, pour La Tribune, LCI et BAC 50, qui a été réalisé en juin. Donc, ce sont des valeurs qui sont très, très récentes. Aujourd'hui, les entreprises de moins de 10 salariés, donc elles sont 23% à avoir recours à l'apprentissage. Les entreprises de 10 à 49 salariés, elles sont 71% à avoir recours à l'apprentissage, ou avoir eu recours à l'apprentissage. Et 50 et plus, 93%. Ça veut dire qu'on voit bien qu'en fonction de la typologie des entreprises, eh bien, il y a une forte mobilisation à solliciter donc, l'apprentissage comme solution de développement de compétences. Alors, c'est qui ont recours ou qui ont eu recours. Hein, on s'entend bien sur cette définition. Maintenant, la question, c'est parmi ces entreprises, combien sont-elles à souhaiter recruter un apprenti pour l'année à venir? Eh bien, elles sont 43% à vouloir recruter au moins un apprenti pour l'année à venir. Donc, ça veut dire que malgré la situation de crise économique, pour autant, les entreprises restent mobilisées, souhaitent recourir donc à l'apprentissage, parce qu'elles savent bien une chose, c'est qu'il va y avoir cette reprise économique, il va y avoir ce rebond économique, et que l'apprentissage doit prendre une place importante eh bien, donc, au sein de leur structure pour préparer l'avenir. Voilà, donc, c'était important, je crois, d'annoncer ça, parce que ce plan de relance de l'apprentissage doit aussi, c'est ce qu'évoquait Julia, rassurer les candidats. Parce que quand même, l'alternance et l'apprentissage, c'est une relation tripartite. Ça suppose qu'il y ait donc un CFA, bon, on est là, pour répondre donc à l'ensemble des sollicitations,
Ça suppose qu'il y ait des entreprises qui s'engagent, et ça c'est essentiel, c'est une entreprise qui offre le contrat, mais ça suppose aussi qu'il y ait des apprentis, des candidats donc, à l'apprentissage. Ce que l'on peut constater, c'est que globalement, le niveau des candidats est assez bon. Ce que l'on peut craindre, sans ce plan de relance, c'est qu'il y ait un effondrement des candidats, parce que le risque et l'incertitude étant trop forts, il fallait peut-être opter pour d'autres solutions. Alors que là, voilà, se pose maintenant ce plan de relance avec cette aide, avec ces aides donc accordées aux entreprises, avec cette possibilité en fait, aussi aux candidats de pouvoir démarrer la formation, tout cela doit être rassurant et rassurant pour les candidats. Il est important que ces candidats qui nourrissent ce projet, que de se former par la voie d'apprentissage, restent accrochés à ce projet. Aujourd'hui, voilà, tout est permis, tout est autorisé pour qu'ils puissent aller au bout de leur démarche et ainsi suivre leur formation par cette voie d'excellence. Hein, c'est très important de le rappeler, de les informer, de le rappeler donc pour qu'ils restent tout simplement et bien accrochés à ce projet. Voilà. Oui, ça permettra effectivement de rassurer les alternants qui sont encore en recherche. J'espère qu'ils sont nombreux à visionner le replay. Vous pourrez le faire suivre. On vous enverra les liens pour le faire suivre en tout cas. Il y avait Pauline qui demandait quand sera publié le décret. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. J'ai dit d'ici 15 jours, 3 semaines a priori. C'est bien ça, M. Pratt, c'est ce que... Oui, alors c'est ça. Alors, vous savez, ce ne sont que des approximations. Nous ne savons pas encore quel jour précisément le décret paraîtra, mais ce que nous avons compris en ayant échangé avec la DGEFP, c'est que ce délai semble être incompressible. Donc, le 15 jours pour pouvoir eh bien, donc, profiter des textes et donc de ce décret qui précisera les choses. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sachant que comme on n'est pas nombreux, vous pouvez aussi prendre la parole et ouvrir vos micros. Hein, n'hésitez pas à passer. Vous n'êtes pas obligé de passer... par le chat, on peut aussi ouvrir les micros. Oui, Pauline. Merci déjà pour toutes ces informations et ces réponses. Donc, si j'ai bien compris, là, on n'est pas pressé finalement de prendre des engagements vis-à-vis d'un futur alternant. Les écoles sont... alors, j'ai l'impression qu'il y a des écoles qui ne savent pas encore si leur formation est éligible ou pas. C'est pour ça que je posais la question du critère Bac plus 3, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le système encore licence, maîtrise, doctorat. Donc là, aujourd'hui, nous, on est en train de regarder un peu des profils d'alternants, mais il vaut mieux qu'on attende la publication du décret, finalement, pour pouvoir s'engager voilà, sereinement. Bon, Je vais prendre un risque en vous disant que de toute façon le gouvernement ne pourra pas élire. En fait, le gouvernement donc a annoncé ce plan de relance existera bel et bien. Et c'est vrai que pour ce qui est des aides accordées donc aux entreprises, ce qui est affirmé aujourd'hui en tout cas, c'est qu'elles n'iront pas au-delà des bacs plus 3. Voilà. Tout ça est contenu donc dans une enveloppe financière. Vous savez que Bercy est le juge de paix, et donc l'estimation donc a été faite. On est quand même sur un plan de relance qui avoisine les 900 millions d'euros. Hein, donc on comprend bien aussi les enjeux économiques. Alors c'est l'investissement, on sait tous. Hein, c'est-à-dire que si Bercy donc prévoit donc une enveloppe de 900 millions d'euros, c'est pour que ça puisse profiter à l'économie, hein, très simplement. Hein. Et que la preuve est faite aussi qu'un apprenti, alors sans opposer les systèmes, mais en tout cas un apprenti, à l'issue de son parcours, eh bien donc à la garantie d'un emploi à hauteur de 80-85%, c'est le taux d'insertion donc à l'issue des formations, alors globalement. Donc c'est-à-dire que c'est un système qui a fait ses preuves en matière d'insertion professionnelle et ceux qui s'insèrent, eh bien ne sont pas donc à plein emploi. Ceux qui s'insèrent, eh bien donc répondent aussi aux besoins en compétences des entreprises. Donc, tout ça est extrêmement vertueux. Quoi. Et je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est bien sur les titres professionnels et les diplômes, hein, donc du niveau 3 au niveau 6. Et donc la question de l'éligibilité des associations
reste quand même en point d'interrogation. Ouais, mais il n'y a pas de raison. Enfin, si vous voulez, si vous aviez posé la question des entreprises publiques, là, je vous aurais répondu non. L'aide n'est pas, donc, ne concerne pas les entreprises publiques. On reste sur les entreprises de droit privé. Et a priori, l'association donc, est de droit privé, donc oui. Profitera également de ces aides. A priori, je ne peux pas vous l'affirmer, vous l'avez compris, mais rien, semble-t-il, ne s'opposerait à cela. Merci. D'autres questions, d'autres demandes particulières par rapport au cas des personnes qui sont présentes? Effectivement, et Cécile, qui posait la question avant, qui n'a pas pris la parole, est créatrice d'une maison de parfums. Donc, quand vous parliez des artisans, c'est de l'artisanat. C'est pour ça qu'elle n'a pas de salariés, mais qu'effectivement, elle a des grands besoins en communication, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole et poser des questions? Samuel a ouvert son micro. Oui, voilà, je viens d'ouvrir mon micro, merci. Bonjour à tous. J'avais une question qui peut paraître peut-être un peu bête, mais je ne suis pas un spécialiste de l'alternance. Je voulais savoir, dans le cadre de la licence chargée de com, donc a priori qui se prépare en 3 ans, s'il était possible d'avoir... Ah non, bon, voilà. Un an. C'est un an, oui. Ah, parce que c'était, en fait, moi j'ai reçu des profils et je crois qu'on a échangé ensemble un ou deux mails. On est à la recherche d'un alternant, justement. Bon, on a plusieurs problématiques qui se posent à nous, notamment la distance, parce qu'on est assez éloigné de Rouen. Et j'ai à côté de moi certains CV qui sont déjà arrivés, donc finalement assez rapidement. Donc c'est plutôt bien. Mais c'est pas très clair finalement dans ce que j'ai reçu. On a du mal à comprendre si la personne prépare un diplôme sur 3 années. Ou si, au contraire, la licence ne concerne que la 3e année. Et pour le coup, moi, c'est plutôt ce qui m'intéresserait puisque l'engagement sur 3 ans est un peu long. Et donc, voilà, mais finalement, vous venez de répondre à ma question. C'est une année, et serait parfait pour nous. C'est une licence professionnelle, donc il faut avoir un bac plus 2 validé pour pouvoir prétendre à cette licence. Donc, je pense que dans les CV... il y a certainement déjà des gens qui ont leur bac plus 2 ou que voilà, vous devez voir DUT. Oui, il y a des DUT MMI notamment. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc c'est très bien, ça correspond à plutôt à mes critères de recherche, ce qui permet aussi d'accéder à une population qui est déjà avertie sur notamment les logiciels ou en tout cas les compétences informatiques qu'on leur réclame. Donc voilà, reste à moi de résoudre l'histoire de la distance, mais c'est un autre débat. Voilà. Moi, chaque année, on en a plusieurs. C'est pour ça que justement, je parlais du rythme tout à l'heure, qui sont assez loin et qui sont peut-être encore des fois chez des amis ou chez des parents sur Rouen et qui prennent un logement près de l'entreprise. Donc, c'est assez courant, hein. Notamment dans nos formations, c'est la distance fait partie du jeu. Oui, parce que semble-t-il, enfin moi, j'ai eu 5 profils, c'est des gens de toute la Normandie. Hein. J'ai des gens de Caen, j'ai des gens du Havre. Donc, ça n'a pas l'air de les freiner plus que ça. Finalement, ce n'est pas si loin que ça. Mais nous, on est dans la campagne. Hein, donc, ce n'est pas l'agglomération rouennaise non plus. Donc... Non, mais la mobilité fait partie de nos critères. Lorsqu'on cherche aussi des apprentis, ça fait partie du jeu. Ouais. Et donc, du coup, les profils que j'ai pu recevoir, finalement, ce n'est que les 10 ou 15 personnes qui sont encore disponibles, finalement. Il y en a plus que ça. Donc, sur cette formation-là, on en avait présélectionné 60 pour 30 places. Donc, là, on en a une vingtaine. Donc, voilà, il reste encore quand même pas mal d'une quarantaine qui sont à la recherche. Et pour votre information, j'ai été agréablement surpris parce que finalement, après vous avoir passé l'annonce, j'ai reçu 4-5 CV très rapidement, ce qui n'est pas forcément le cas de l'ISCOM de Rouen que j'ai consulté aussi. Qui, pour le coup, j'ai rien eu. En fait, j'ai eu un CV. Bon. Donc après, je ne sais pas comment, au niveau pédagogique, ça s'organise, mais en tout cas, le cheminement s'est bien fait. Voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire. Et je vous remercie. Et c'est vrai que ça. Je vous dis, on a quand même beaucoup de candidats qui viennent chez nous pour faire cette formation. Il y a très peu de licences pro en apprentissage en France sur la communication. Il y en a beaucoup en initial. Et on essaye de choisir les plus motivés. D'accord. c'est des bons profils généralement. Là. Ce sera la septième promotion, c'est ça, Julien? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Une jeune licence, mais des bons profils qui en sont sortis.
J'en profite, je sors un tout petit peu du cadre, mais est-ce que vous avez des gens qui aspirent à faire des stages aussi, notamment l'été, entre juin et septembre? Ce n'est pas votre credo? Les stages, non, ça peut être des CDD, ou, parce que moi, je n'ai pas le droit de faire de convention de stage étant en apprentissage. Je ne peux pas vous faire de... C'est décorrélé de votre métier. Okay. Ouais. Après, j'ai mon partenaire qui éventuellement peut prendre des stagiaires, mais moi, en tant que centre d'apprenti, je ne peux pas... D'accord. Non, je pose la question parce que c'est parfois quelque chose qui est un peu oublié, finalement. On parle des apprentis qui sont évidemment... intégrable à partir du mois de septembre et donc avant ça, hein, vous pouvez le prendre. Ah, on peut déjà les intégrer. Oui, mais dans le cadre de leur apprentissage, voilà. Et c'est vrai que parfois, nous, on compense les départs en congé ou différents arrêts des stagiaires et qui peuvent compléter pendant la période d'été, en fait. Oui, mais là, vous pouvez faire commencer votre apprenti avant et sachez que vous avez aussi une période d'essai qui est aussi assez quand même confortable pour l'employeur, qui permet, si jamais malheureusement le mariage ne se fait pas, de pouvoir mettre fin. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc la période d'essai est quand même relativement longue et ça vous permet de prendre votre apprenti 3 mois avant le début de la formation. D'accord. Donc, comme ça, il est de plus en plus opérationnel. Vous prenez tôt. En plus, nous, je crois que la rentrée d'LPCOM, je crois que c'est le 21 septembre, ça vous permet quand même de l'avoir 100% du temps relativement en avance, quoi. Donc là, si Samuel fait son choix rapidement, il peut avoir son apprenti qui commence là fin juillet et qui est là déjà pour une partie de l'été. Ah ouais, même sur le mois de juillet, au 15 juillet. Quoi. Dès que la personne a validé là, son... Donc, on peut aller très vite. Hein. Sur juillet, le contrat peut commencer. Hein. J'ai des contrats d'apprentissage qui commencent en juillet. D'accord, très bien. À la campagne, l'été à la campagne. Oui, alors on est, je ne vais pas rentrer dans mon cas, mais on a acheté un bâtiment à côté de le Roi Merlin, Saint-Martin-du-Vivier, exactement, mais on y sera à partir du mois d'octobre, a priori. Donc ça me fera un pôle rouennais bien plus pratique pour intégrer des personnes comme ça et pour nous aussi. Donc, c'est proche que Blangy. Voilà, il faut arriver à faire 70 km tous les matins. Faut avoir les moyens, faut avoir le véhicule et la force physique. Voilà. Donc, je m'attarde là-dessus parce que c'est vrai que ça peut freiner. C'est-à-dire que moi, j'ai des jeunes de l'ISCOM qui, pour le coup, étaient intéressés, mais quand ils ont vu Blangy, ça les a stoppés aussitôt. Donc, c'est pour ça que je creuse un peu cette partie-là. Voilà. Très bien. Écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Julia, sur la période d'essai, est-ce que tu peux être plus précise? Il y a une question sur la durée de la période d'essai. Alors, sur la durée de la période d'essai, Richard va me corriger si je dis une bêtise, ça doit être 45 jours en entreprise. C'est ça, effectivement. Ce sont les 45 premiers jours en entreprise. Donc, ça veut dire que si l'alternance a déjà débuté, tous les jours passés donc, au CFA ne sont pas comptés dans la période d'essai. Donc, on est bien sur les 45 premiers jours en entreprise. Voilà, c'est bien ce qui détermine la période d'essai, effectivement. Voilà. Donc, ça met souvent sur des formations, on est au moins jusqu'à la fin de l'année, généralement, vous êtes au moins sur le mois de décembre, janvier, quoi, à peu près, quand on décompte. Donc, ça laisse quand même du temps, je trouve, pour l'entreprise, pour s'il y a un souci, ça, c'est important d'avoir ce temps-là. On parle bien de, c'est Pauline Noack, on parle bien de jours de présence de l'apprenti dans l'entreprise. D'accord. Oui. Pas les périodes de cours. Et donc, sur la LPCOM, par exemple, dont tu m'as présenté le calendrier hier, c'est une semaine en cours, 2 semaines en entreprise, à peu près. Parfois, ça varie, c'est parfois 3 semaines en entreprise ou une semaine. Mais dans l'esprit, c'est le plus souvent 1 semaine en cours et 2 semaines en entreprise, ce qui permet, comme elle vient de dire Julia, d'arriver quasiment jusqu'en décembre sur les 45 jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Encore sur les problématiques spécifiques. Non, a priori, c'est bon pour tout le monde.
Donc, comme je vous disais, je vais préparer le replay de cette vidéo. Vous l'aurez en accès dans la prochaine newsletter. Et je mettrai bien sûr en fin de vidéo le contact, si ça ne vous dérange pas, mail de M. Prade et de Julia Le Bailly, afin que si jamais il y a d'autres questions par la suite, que vous puissiez les contacter en direct. Merci en tout cas à tous. Merci particulièrement à nos deux intervenants d'avoir répondu à ces questions parfois très spécifiques, mais voilà, et en espérant que ça puisse aider et que Julia, tu sois bientôt à 100% d'apprenti placé. Merci. Merci beaucoup Aurélie d'avoir organisé ce petit échange. Merci. Merci. Et merci à Franck d'avoir fait la demande initiale. T'as bien fait, merci Franck. Bonne journée à tous et bonne semaine encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir.